Hey yo tout le monde, c'est Nex et on se retrouve sur l'épisode 39 de Tales of Xillia où je vous avais laissé dans cet endroit magnifique et il y a encore la dalle magique qui tourne là-bas. Je sais pas à quoi c'est, on va essayer de la choper cette fois-ci. Dalle magique! Non mais en fait je sais pas à quoi ça sert. Alors la dernière fois nous avions donc traversé tout le palais d'Horda et Nachtigall était mort après un combat terrible. Mais nous l'avions pas tué, c'était quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui encore. Je suppose que ça va sûrement avoir un rapport avec les Kiméryades, ou avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien du tout. Et donc la guerre avait finalement démarré avec Guiland qui se trouvait au marais de Fezzebel, et pour le rejoindre, il fallait qu'on traverse le bourbier d'Arklund. Donc ouais, c'est ça, le bourbier d'Arklund. Et on s'était laissé là. Mais il pleut pas. Et il y avait une petite scénette. Many of the provisions we packed are nearing their expiration date. You sure do sweat the little things. I'm surprised you could handle being a tactician. It is a tactician's duty to consider and prepare for every possible complication. Momentary oversights bring enduring wounds. But isn't it also true that a moment's hesitation can lead to a lifetime of regret? It is. Which is why a leader must make snap decisions without hesitation. Then I shall make the call. We will continue to eat the provisions until 2 months past the expiration date. Yes, ma'am. You must love that about her. The fact that she can cut through all your worries in an instant. Are we talking about the way I feel about her or the way you do? Bonne question. Alors, on va donc traverser aujourd'hui le bourbier d'Arklund. Est-ce que... Ouais, on va faire les combats pour découvrir ses ennemis. Oh, j'ai pas réussi à le voir par derrière, c'est nul. Je suis mauvais, je suis mauvais. Bon, pour l'instant, ils sont quoi, eux? Sensibles au feu, d'accord. Bah, c'est parfait. On voit ça. Ah oui, en effet, oui. En effet, ils sont beaucoup plus sensibles. Expérience 1400. Ah oui, c'est vrai que j'ai le plus 60% d'XP. Bien, 1000 amendes de niveau. On va s'en occuper tout de suite. Alors, Mila, Mila, Mila. Pour l'instant, on va simplement faire les tours hein, jusqu'à ce que on arrive là où elle pourra récupérer la suite de l'orbulis. On va simplement prendre le reste. Hop, vie plus. Et ici, on récupère l'âme de tonnerre. Est-ce que t'as récupéré des points? Oui, t'as récupéré des points. Alors, vie plus, sauf 32% de chance d'augmenter les PV max de 2% à la fin d'un combat. Je regarde vite fait ce qu'elle a. Hein. C'est quoi? Empêche de vaciller pendant 5 secondes après avoir esquivé une attaque avec un pas arrière. Tiens, prends ça. Vie plus, esprit plus. Bon, allez, vie plus. Il fallait faire un choix. J'ai choisi. Hop, esquive. Alors, encore des nouveaux ennemis qui sont sensibles au feu également. Ah! Allez, allez! Oh, j'arrive pas à en placer une, ils sont en train de... Ok, ça va, je me suis juste fait démonter. Non mais oh, ça suffit au bout d'un moment. Faut arrêter de déconner. Ok, bon, on va commencer à fouiller un peu en esquivant les ennemis qu'on a déjà vus. Alors, du fluide sauvage, je peux pas traverser là. C'est nul. Alors... des plumeurs de jet comme toujours, ça on prend. Eternelia, je sais pas à quoi ça sert, mais regarde, ça sera sûrement pour les développer les magasins, il y a des chances. Hop, je prends ça. Là-bas il y a un coffre, c'est vrai, je l'avais vu tout à l'heure, je l'avais esquivé. Alors, qui contient quoi? Non, bah non, je prends le coffre, écoutez, de toute façon j'y reviendrai pas, donc c'est du gâchis, je sais, mais comme je reviens pas aux endroits, enfin en tout cas pas forcément vidéo. Ça sert à rien que je le garde. Alors, Cristal Prairial, toi, on t'a pas encore affronté. Ouais, c'est toujours la même chose. Ouais, vulnérable au feu. C'est vraiment pas plus mal qu'on ait pas mal d'équipements du type feu au final pour le combat. Allez, tout le monde meurt, s'il vous plaît. Voilà. Oh. Léa, elle est sur le point de monter de niveau également. Alors, on va prendre ça. Ouh, de l'argent.
J'aime l'argent. Ok. Est-ce que j'ai fait à peu près le tour, je pense. Ah, il y a un truc là-bas. Il y a même un truc sur le mur là-bas. On va aller chercher le mur, on va regarder ce qu'il y a dans le petit trou et on va continuer. Des herbes harmoniques. Oh, l'esquive. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Retournez voir. Qui? Prine. C'est qui Prine déjà? With this harmonica grass, Prine can heal the Sylph-Jay. Yeah, let's hurry back to Fenmont. D'accord, ok, bah on va retourner à Fenmont alors, puisqu'on a récupéré ça tout de suite. Bon, allez, on va faire l'effort d'aller à Fenmont, histoire de dire que comme on peut faire la quête secondaire, on va la faire. Allez, je veux... Qu'est-ce que tu es, au juste? À quoi tu sers? Je sais pas. Une dalle de carrelage, on dirait une dalle de carrelage en fait. Allez, faculté de médecine de Talim. Bon, ça en plus c'est pas très très loin, donc c'est pas un gros détour. Mais il lui fallait que ça. Parce que j'ai l'impression qu'il lui fallait autre chose, non? Il avait pas demandé de deux ou trois trucs et pas un seul. Je sais plus du tout. Je vous avouerai. Alors, prenons cette porte pour parler à Prine. What? Our mission is finally over and there still isn't anything you can do. Please calm down, Lady Nadia. My friends will be back with harmonica grass for him soon. Blah blah, friends, this grass, that. Don't you get it? We need to get out of here. We got the harmonica grass. The hell? Agria, what are you doing here? These your so-called friends? Yes. This is classic. How do you know Prin? Because she's the liaison for us Azul spies. Lady Nadia? Ah, who cares? These chumps don't have the balls to rat you out. Prin's job is to pass all the juicy information I collect back to Azul. Is that true? It is. And this Sylph-Jay was your means of communication? No way. How does that feel, Pimple? How does it feel to know you tried your very best to help an enemy spy? Pew! Not only do you stink of hypocrisy, you reek of stupidity too! What? Leia! I'd stay back if I were you. Wouldn't want to get my stench of stupidity on you. Come on. Excuse me, I just wanted to thank you for all your help. If you hadn't brought the harmonica grass, Bobo would have died. Now he's going to be fine. Tell me, do you have some connection to Agri... rather, Nadia's family in House Travis? I do. My mother was her nanny. I've known her since she was a baby. So Agria really is nobility. Sadly, Miss Nadia's mother was a commoner, and she was subjected to much abuse because of it. The Travis family has always been focused on privilege, even by the standards of the six ruling houses. Eventually, Nadia's mother, the only support Nadia had, became estranged from the Travis family leaders. She died shortly after, and Nadia was convinced they had conspired to kill her. Is that why she became a spy for Azul? It's no excuse for selling out her country, but... Who could blame her at that point? I suppose what Rashagal was doing would be unacceptable in any country. Prin, is Bobo the name of that Sylph-Jay? Yes, Miss Nadia named him herself. She's been taking care of him since he was an egg. She's always loved him. I see. Thank goodness he's okay. Even if Agria did laugh at me, I'm glad that Bobo's all right. Yeah, we all are. You really are exactly how Dr. Ju described you, Leia. Indeed. She inspires smiles wherever she goes. Et ben voilà quelque chose de bien fait. Obtenu un anneau psychique. Anneau psychique... Et si en plus sur Elise ou Rowen,
ça manque pas mal le psy, je pense que c'est pas mal. C'est un peu la défense. Ah ouais, non, c'est pas mal, je vais te le mettre. Allez. Ah, quoi, qu'est-ce que le psy, c'est pas mieux pour Rowan, en fait. Je sais pas. Ok, continuons. Enfin, reprenons là où nous nous étions arrêtés il y a 2-3 minutes. Et continuons notre traversée du bourbier d'Arklund. On va en profiter également pour récupérer bah, les choses qui sont réapparues dans les sacs magiques qui se remplissent tout seuls. Et ah bah, il y a un Troux. Oui, un Troux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Y a-t-il rien? Y a-t-il un coffre? Y a-t-il une fête surprise? Des remèdes. Enfin, un remède. Repartons. Ok, alors, dirigeons-nous vers la seconde zone du Bourbier d'Arklund. Je regarde un peu sur les côtés s'il n'y a pas un autre passage. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, bon, passage suivant. Allez. Pardon, petit. Alors, région centrale. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore une région après, logiquement. Ouais, 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 sûrement. On va simplement continuer de récupérer. Looks like ominous clouds are gathering up, and my old bones tell me it will be a heavy rain indeed. Ah, j'ai pas eu le temps de dire ce que Rowan avait dit, tant pis, je relirai ça au montage. Un ennemi dangereux! Rusky! Attention! On y va! Tiens, prends-toi ça. Aïe, 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 aïe. Ah, zut. Allez, prends-toi ça. Allez, allez. Et voilà. Ok, juste Leia qui monte de niveau. Oui, je sais que je modifie pas beaucoup l'équipe, hein, mais... Moi, j'aime bien cette équipe-là. Alors, hop. Bon, je suppose qu'elle va récupérer également des points de capacité, partage de vie plus, occasion de liaison, pansement, et voilà. Esprit plus. Leia, est-ce que... Ouais, tu as 10 points. Alors, qu'est-ce que tu as? Esprit plus, oui, occasion de liaison. Des artiliers peuvent être initiés en lançant un art spirituel. Vas-y, récupération psychique, permet de récupérer progressivement des PT en mode course libre. Ouais. Il me reste 4 points. Ouais, je peux rien prendre en fait. Voilà. Alors, que je retrouve mon chemin. Ok, c'est par là que je peux visiter. Héritière du grand maître. Grand maître, c'est de qui? Je sais pas. De Leia, je suppose. Alors, ici on a quoi? Des épinces ou des épinces? Oh, mais encore la dalle magique! Mais elle nous poursuit! Enfin, non, nous on la poursuit, mais elle s'enfuit dès qu'elle nous voit, alors. Injustice. Des plumes d'oiseaux migrateurs. Ok. Bon, pour l'instant, on va fouiller la zone, hein. Regardez ce qu'on peut trouver. Là-bas, il y a un coffre. Herbe harmonique. Voilà, il y en avait ici aussi, dans le pire des cas. Monsieur le coffre. Ah non! J'ai dit que les coffres, je les laissais pas fermés. Là. Alors, par ici, on a quoi? On a un coffre qui contient des perles mystérieuses. J'ai l'impression que les magasins, ils ne demandent jamais des trucs comme les perles pour le développement. J'ai vu croire... Non, c'est dans ma tête. J'avais cru voir quelque chose. Alors, la suite. Il y a quelque chose à ramasser. C'est pour ça que j'y vais d'ailleurs. Comme ça, j'aurai de quoi faire du développement de magasin plus tard. Alors, par là, on n'a rien. Je suis sûr que je vais encore passer à côté d'un trésor d'Ifrid. Ah ah, je le vois, il est là. Justement, quand on en parle. Un joyau mystérieux, très bien. Alors, ok. J'ai vu quelque chose briller. Des plumes d'oiseaux migrateurs. Si je peux marcher, y a-t-il quelque chose dans le creux là-bas? Y a un trou, non? Ah non, non, non. C'était juste une illusion d'optique. Ok, bah zone suivante. Je sais, je traverse vite les zones, hein, c'est... Faut pas trop de soucis, normalement. Dans le pire des cas, je retournerai dans la grotte magique où on peut faire plein d'expériences facilement. Alors, ici, on a quoi? Marais de Fezébel, ouais, c'est la dernière région, ici. And just like that, we're at war? Yes.
and with tens of thousands of soldiers on either side, it looks to be a massive one. Ok, j'ai essayé de tourner en rond le temps qu'ils finissent de parler pour pas bloquer la discussion en ramassant quelque chose. Alors ici, on a des fioles de sirop. Hop, pardon. Il y a tellement de trucs à ramasser ici. En même temps, je pourrais aussi combattre un petit peu pour me faire un peu d'XP, mais je suis au niveau 40, je pense que c'est pas trop mal pour ce moment du jeu. C'est sûr qu'on peut avoir beaucoup mieux, mais je pense que je suis pas trop mal. Alors, on va prendre ça. Le coffre. Ah! Ok, je me suis fait prendre par surprise. Hop, on va juste mettre les points à Elise. Alors, qui va pouvoir commencer. Partage de vie, occasion de partage, ok. Qui va pouvoir commencer ici. Voilà, automédication, ça fait quoi? Octroie 15% de chance de récupérer des PV en subissant des dégâts. Oh! Et attaque 3, voilà. T'as des points de capacité ou pas? Non. Genre 0, tu sais. C'est même pas quelques-uns, c'est 0. Alors ici, je pense qu'on a approximativement fait le tour. Alors, bah, c'est ça qui contient donc cristal prairiel, toujours. Ça, on en a un du cristal. Hop, 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 je l'ai vu. Les queues de démons. Enfin, une queue de démon. Pince aiguisée. Bon, ça, on récupère vraiment pas mal de trucs. En plus, on récupère plein d'argent. Mon dieu. On va pouvoir faire du développement de magasin. Hop. Des pinces aiguisées. Ici, on a quoi? En plus, il y a un magasin juste à côté. C'est juste parfait. Voilà. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, on a approximativement fait le tour. Alors, on va commencer par le magasin d'armes, comme d'habitude. Et on va développer le magasin... Oh, nickel! Oh, mon dieu, c'est nickel! Tiens. Ouais, tu prends qu'un niveau. Ok. Et on débloque Arachné. Très bien. On va développer également les autres magasins. Ici, j'ai de quoi donner? Ouais, j'en ai un petit peu. Voilà, on débloque le puissant médicament. Magasin d'armure, il te faut des poissons. Plastron de phénix, et voilà, un niveau de plus également. Magasin d'accessoires. Tiens. Voilà, et le magasin d'alimentation qui veut des fafeuilles. Et j'ai des fafeuilles. On débloque tellement de trucs aussi. Voilà, alors. Acheter. Arachné, on recommande pas de temps que ça. Est-ce qu'il y a un truc? Non, il n'y a pas de... Pas de spécificité. On va aller voir dans les armures plutôt. Magasin d'armure, est-ce que... J'ai un truc mieux. 1785, 1138, c'est pas beaucoup plus, hein. Au final. Ça coûte cher. Non, ça coûte pas si cher, en fait. Bon, je prends des nouvelles armes parce que j'aime bien les armes. Même si on me dit toujours qu'il faut pas que je les prenne parce que c'est trop dépensé. Je le prends surtout parce que c'est pour Rowan, quoi. J'ai plus assez. Vendre. Prends ça. Est-ce que j'ai autre chose? Tiens. Hop, on va vendre toutes les plaies à l'arme mystérieuse pour récupérer de l'argent. Et on va acheter une déchiqueteuse parce que j'ai envie d'avoir toutes les armes. Voilà. Niveau 62, point tyrannique et bâton runique. Ok. Point tyrannique, ok. Commande pas mal cette fois-ci. Et le bâton runique. Ah, point tyrannique le prochain. Ok. Allez, on continue. You look really great, Rowan. What? Oula. Je pensais que j'avais pas passé là. Wow, 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 wow. Marais le Fesvel. Identify yourselves. State your names, ranks, and divisions. I am Rowan Ilbert, Chief of Staff, Rashagal Army. The Ilbert? As in the conductor? Correct. I wish to be briefed at once regarding our troop strength and deployment. Yes, sir. Please proceed. This table creates a tactical diagram of the battle by reading signals from the soldiers' Lilium orbs. Hey!
Hey, how come this one looks different? That division is taking part in a special operation being led by the deputy chief of staff himself. Agria of the Chimeriad attempted to block them, but it appears they broke through. Gillen's operation? Yes. He should arrive at the operation site a little after 1300 hours. We've been given no details, although we hear this operation will turn the tide of battle in one fell swoop. We've been ordered to concentrate as many troops as possible around that site when the operation commences. With this route, his destination must be here, correct? Yes, sir. Precisely. I should have expected nothing less from the conductor. I do not like where this is heading. Yes. No doubt he has plans to use the Lance of Kresnik. Yet why did he leave his own army in the dark? You think we can catch up to them before they use the Lance? I don't know. I hope so. I stole the key required to activate the Lance. I entrusted it to Ivor. We figured that would be enough to stop anyone from using it. Nevertheless, it has been deployed, and they are likely readying it for use. That can only mean one thing. They may have created a new key. How is the Azul army marching across the marshes? I don't believe Renome ever arrived. Are you familiar with the boosters that Azul has developed? Hey! Quit staring at me like that! I hate being objectified! The enemy is using them to amplify their mana output and alter the spirit climb in their immediate area. In other words, they use mana to summon vast amounts of Earth spirits and force the spirit climb into Renome. They've actually changed the seasons. A brilliant strategy. One only Wingull could have conceived. How has Roshigal responded? We too have boosters. So you issued one to every soldier, and assigned one man in every squad with the job of altering the spirit climb. Yes, sir. Exactly as you said. That sounds like a job for us, Elise! No, this is Rowan's turf. He's an expert in the use of Earth arts. We have no time. We must intercept Gillen's division. Might I borrow one of your spare boosters? Chief Ilbert, there's one thing I should mention about the boosters. We keep hearing rumors that their use leads to a serious side effect. Which is? They say prolonged use saps your strength. You mean it leeches away your very life? The severity of this effect seems to vary wildly among those afflicted. Just to be safe, I suggest you avoid using the booster for long periods. Alvin? You sure you want to be standing out there in the rain? Wait, what? But I swear I heard you from over here. Say what? You hit your head or something? Making up lies again? Jeez, Elise, give me a break. I'll give you a break, all right, you big fat liar! You ready to string me up too? Come now. Given the circumstances, it's only natural for us to become suspicious when you wander off on your own. Just stick close to us from now on. Seriously, promise us! Fine, fine. Oula! Oula, y'a un truc qui va pas là. C'était qui la voix? C'était vraiment...
Est-ce que c'était vraiment Alvin ou pas? Le plan de bataille de Rashugal. The key to Rashugal's strategy is the hill that overlooks the basin where the two armies are fighting. You believe they will set the Lance of Kresnik there? It seems likely. From there, they can snare the entire enemy army while they're all gathered together. If the Lance of Kresnik truly is a mana-powered weapon, it would be a very advantageous location. But to think Deputy Chief of Staff Gillen could pick out that spot so accurately is quite a surprise. Such a man must not be taken lightly. I had always thought him a talentless lickspittle, who won his position by flattering Noctegaal. But it may be time to reassess that opinion. Ouais, c'est vrai que Gilland, il a l'air de prévoir quand même quelque chose de particulier, qui a l'air assez prêt pour le combat. Alors... Oh, I know you're concerned, but you don't need to stare at me like that. Wrong! Look at this giant plant! Wow! You can use that as a rain canopy! Alors... Effet secondaire. We have to fight hard for everyone's sake. We can do it! Are you feeling well? Huh? Why do you ask? At your age, you should be worrying about yourself. Oh, it's nothing important. But if your health changes, please tell me right away. What he probably means is, if you gotta pee, do it before the war breaks out. I'm fine. Mind your own bladder. Well... Certainly no sign of side effects yet. Allez, on va sauter, même si j'ai pas envie de commencer tout de suite du fait que bah on est à la fin de l'épisode. Sorry about that. Ok, on y va, on va avancer un petit peu plus. Everyone, stay close to me. It's hard to see anything. The enemy could be anywhere. Maybe we should try to find a safer route. No, we don't have time for that. We just need to charge straight through. Hold on! This sounds like suicide! Well, we'll be okay. Jude says so. Don't be afraid. We have nothing to fear but failure. The fate of humanity and spirit kind hangs in the balance. Nice! I'll have to write that one down. Let's go, everyone. We will destroy the Lance of Kresnik. Don't stop for anything else. Ok. C'est parti pour les combats contre Joule. Ah, est-ce qu'ils sont censés bien quelque chose? Alors, vulnérabilité au feu. C'est vrai que maintenant, on m'a dit que je peux regarder des détails. Information, d'accord. Objet CD, objet volé, Nidabi. Ok. Je veux comprendre. Aïe! Tiens, allez, hop! Ah, mais arrête! J'essaie de caler mon artelier, voilà. Allez, prends-toi ça, monsieur le soldat. Même si tu es mauvais. Mauvais! Voilà. Ok, c'est genre le combat. Hop, tu continues tout droit. Watch out! Huh? What are you doing? We're on your side! Save it! We've received orders directly from Deputy Chief of Staff Gillen. Conductor Ilbert has defected to the enemy and must be stopped by any means necessary, including lethal force. What? We won't let you destroy the cornerstone of Rashugal's strategy! Oh non, mais le son de Jude était tellement magique! Non mais attends, mais franchement le... Mais attention, ouais. Tiens. C'est de l'enchaînement de combat là, ça c'est cool, j'aime bien ça. Allez, prends-toi ça toi, et BAM! La suite! Ok, là c'est vraiment de l'enchaînement de combat, c'est de l'endurance. Bon, l'épisode sera plus long, tant pis, hein, moi ça me va. Pour une fois, c'est assez rare que les Tales of soient plus longs que d'habitude, donc on va en profiter.
Ah, tiens, prends-toi ça. La suite. I'll take them down, no matter what. Hey, you're pushing yourself too hard. Allez, allez. I'm okay. Allez, on va faire entrer quelqu'un d'autre. Allez, à la place de Elise, on va mettre Alvin. Allez. Pour changer un petit peu, on va faire entrer un peu tout le monde. Je préfère garder Elise pour plus tard. Et allez, un petit peu de Leia aussi, que tout le monde participe au combat. Allez, allez, allez. Je sais pas ce que je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Ok. Encore? Ouais, encore. Allez, c'est parti. Allez. En fait, j'hésiterai à changer, à mettre d'autres personnages pour... Mais j'ai pas envie de retirer le jeu parce que c'est le seul personnage que je sais utiliser, en fait, donc... Allez, tiens. Oh, je vais toucher personne. Voilà. Je sais pas quoi penser d'Alvin, c'est vrai qu'il a disparu soudainement, mais au final, il semblerait que c'était pas lui qui discutait derrière le rocher. Donc je ne sais pas quoi penser. Allez, allez. Allez, allez. Où c'est vous? Voilà. Il y en a un derrière, je le vois là-bas. Juste, je me demandais une seconde. Art, je veux juste voir vite fait quelque chose. Les arteliers, voilà. Et je cherche. Non. Alors, faut qu'on s'en en... Je cherche pour demain. Coup de paume, tempête de serre. Non, je cherchais le dernier que j'ai eu là. Vortex ascendant, mais j'ai pas l'impression qu'il soit lié à quelqu'un, donc bon. Je voulais juste vérifier ça. Parce que celui-là, je sais pas du tout à qui le lier. Hop là, voilà. Toi, t'avais qu'à pas être là. Ça t'apprendra. Ok, on continue. Encore? Ouais, encore. C'est de l'enchaînement. Bon, là, c'est au joule, là. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bon, allez, de 1. Hop, allez, suivant. Ok, again. Allez, allez, c'est pas... passe. Ouais, c'est bon, c'est passé, j'ai réussi. En caler un dernier. Ouais, je vais laisser Elise en repos parce que Elise, comme elle fait du soin, si j'en ai besoin pour plus tard, je préfère la voir à mes côtés. Ok, la suite. Ça en finit plus, hein. Tellement épique. C'est vraiment épique. Mais enfin, ça va, je m'en sors bien. Je pense qu'on a un niveau vraiment pas trop mal pour le moment où on se trouve. Tiens, prends-toi ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore? Allez. Ouh, mon dieu, mais ces combats, c'est enchaînement. Allez, allez. Allez, allez. Allez, on va en caler un, voilà. Partez d'ici. Ouh, mon dieu. I won't let anyone down. So this is experience. Never stop it. Just keeps getting better. Là, il y a eu du level up. Ok, il y a une sauvegarde, c'est parfait. On va prendre ça. Et... Hop là, vas-y. Non ! Je veux tout. Je veux tout, je veux ce coffre en entier, tant pis. Si, c'est du gâchis. Ah, je me fais avoir à chaque fois. Voilà, 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 et voilà. Alors, on va juste vite faire un tour sur les orbes de Lys, quand même, avant de se quitter. Voilà, ici. Ça commence à avancer, on débloque occasion doublée et lancer du dragon. C'est des arts, ça, non? Coup en PC, multiplié par 2, les chances de réaliser des arts liés lorsque vous les initiez. Ok.
contre l'ennemi en esquivant ses attaques et en le projetant ensuite vers le haut d'un puissant coup de poing. Ok, bah on va voir ça après. Ici on débloque attaque 3 et ici on débloque équipe liée. Équipe liée, c'est quoi? Plus vous liez de personnages au cours d'un combat, plus vous obtenez des ressources. Ah, intéressant. Oui, toi t'es monté de niveau aussi. On va également finir ton orbe de lys pour l'instant. Occasion de liaison, partage de vie plus. Hop. Voilà. Atterrissage immédiat et... on prend ça également. Voilà, attaque 3. Toi c'est bon. Rowain. On va te compléter ici, puisque Rowan et Alvin, ils ont toujours un niveau de retard par rapport aux autres. Et Leia aussi, ou je sais plus, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre également qui est avec un niveau de retard. Voilà, je crois qu'Alvin aussi est monté de niveau, donc on... voilà, parfait. Voilà. Partage de vie plus. Occasion doublée, et enfin... gâchette instable. Et ici... ouais, non, non, on n'a pas de retard. Donc 42, 42... ouais, c'est ça. Capacité, est-ce qu'il y a quelque chose de changé? Non. Ouais, il y a juste toi qui peut prendre esprit plus... et pour moi, esprit plus et esprit 2. Bah, tu vas prendre... voilà. Comme ça, au moins, on a de quoi faire. Occasion de lésion. Des artes peuvent être initiées en lançant un art spirituel. Ah, ça aurait été pas mal. Ok. Bien, on va donc mettre fin à cet épisode ici, la guerre bat son plein. On va lire la croissance de Jude quand même. Watch your backs, everyone. Don't get complacent. Jude has grown into such a prudent young man. Really? Seems like he's been freakishly level-headed since the day he was born. I wouldn't say that. Mila? I'm just remembering the first time we met. And how you panicked when I trapped you in one of Undine's bubbles. Oh, I haven't heard this story. Well, come on. Anyone would freak out if they were suddenly attacked by one of the great spirits. He does have a point. I know I'd have been terrified. What? So I'm some sort of monster now? Hey, it's okay. Meeting you taught me how to cope with difficult situations. So I helped you to grow? Well, I'm glad I could be of service. Jude sure has gotten good at dealing with Mila. If growing up has taught him anything, it's that. Ok, bien, on va mettre fin à cet épisode ici, car la guerre bat son plein et on va pouvoir la continuer la prochaine fois. En tout cas, cette partie de traverser des marais de Fezebel était vraiment épique, j'espère que la suivante sera aussi bien. En tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve plus vite pour la suite de nos aventures sur Tales of Xillia. Merci à tous, et bye tout le monde.